Aussi des beaux chefs comme Dorian Van Bronckhorst qui est là avec nous aujourd'hui, voilà. Qu'on va applaudir. Alors, c'est un chef local. Exactement. Il a son restaurant dans Histoire. Dans Histoire, juste derrière, sur le boulevard. Génial. Alors, voilà. T'as pas eu loin à venir, tu nous as apporté du jambon. On va commencer tout de suite. Qu'est-ce que c'est la recette du jour? Tu peux nous donner l'intitulé? Oui, alors on va faire un blanc de volaille AOC Auvergne qu'on va rôtir au jambon d'Auvergne et petits légumes. Alors, on a effectivement nos beaux filets de volaille. On va commencer par la sauce au jambon, tiens. Exactement. Alors, comment tu procèdes? Alors, montre-moi. Comment on va procéder? On va tailler en petits bouillons. Taille. On va tailler très fin. Voilà. Eh ben, regardez, t'es fort à la taille, toi. C'est pas la fameuse sauce à la taille, ça? C'est exactement ça. Voilà, donc assez fin. Quelle dextérité! Oh là 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 là! Fais gaffe à tes doigts quand même! C'est une sauce au jambon, c'est ça? Ça fait toujours un peu. Ça va être avec. Voilà. Disons que tu veux garder surtout l'arôme quoi, du jambon. On va avoir l'arôme. On va avoir en fait les deux. On va avoir une petite émulsion jambon et on va avoir une sauce jambon. Voilà. Je me demande si c'est pas la première fois qu'on fait ça. C'est ça, hein, ici on met le jambon partout, je crois. Exactement, on va essayer de le mettre en avant. C'est presque un adjuvant, c'est presque une épice, c'est presque un révélateur du goût. Églantine, le cochon et Vincent, c'est une longue histoire d'amour. Je découvre. Il adore le cochon. Et dès qu'on peut en mettre... Mais on a vu tout à l'heure, il était jaloux des deux. T'as raison, c'est délicieux. Il faut dire que j'ai été aimé par quelques cochons dans ma vie. Oui, c'est vrai, dans ma longue carrière. T'es sagittaire ascendant cochon. Oui, c'est ça. Ouais. Gémeaux ascendant en Véran. Voilà, c'est ça, absolument. Alors, regardez, oh là là là, la finesse. Et alors, ça, on le met dans quoi, Dorian? Alors, on va le mettre dans une petite sauteuse, là. Hop. Dans la casserole? Celle-là, à sec. À sec. Donc, j'allume. Je vais faire revenir, allez-y, sur un. Pas trop fort. Ouais. Et après, on va venir déglacer avec le jus de viande. Alors, qu'est-ce que tu as pris comme jus de viande? Parce que ça, c'est marrant. Voilà, ça, c'est vraiment les trucs des restaurateurs. Du jus de viande, comme si on avait du jus de viande. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut prendre chez soi? Alors, bon, bah, après, chez soi, le mieux à prendre, ce serait un petit fond de veau magie, enfin, quelque chose comme ça, dans l'idée. Ou une autre marque, d'ailleurs. Hein. Ou une autre marque, tout à fait. Non, ça peut être autre chose. Hein. Nous, on n'est pas sectaires. Dans l'idée, voilà. D'accord. Alors. Oui, un bouillon de volaille, ou un bouillon plutôt de bœuf, de veau. Enfin, moi, je préférais veau, après... D'accord, ok. Avec le chef, avec Dorian Van Bronckhorst, qui est en train de tailler des oignons. C'est plus prosaïque, mais il y a une poésie aussi dans le taillage de l'oignon, comme tu vas nous le montrer. Regarde, on cisèle. Tout à fait. Autant on hache, si on met ça brutalement dans la machine. Et là, on va tailler une petite... Autant quand on le fait au couteau avec cette dextérité, on cisèle. Voilà, parce que c'est très finement fait. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs parce que là, tu peux juger vraiment de la dextérité d'un cuisinier à la façon dont il taille les oignons, les échalotes. Chez moi, c'est à peu près des cubes de 1 cm sur 2. Ouais, mais je me méfie hein, parce que j'ai vu que notre cuisinier, il avait quelques coupures au doigt quand même. T'as des coupures au doigt j'ai vu ça tout à l'heure. Mais ah bah, c'est un cuisinier. C'est le métier qui entre. Voilà. Et qui ressort parfois même aussi, hein, à la même façon. Voilà, regardez. Alors là, tu mélanges deux oignons. Tout à fait. Explique-moi ça. Bah, tout simplement parce qu'il y en a un qui est un petit peu plus sucré que l'autre. Oui, l'oignon rouge. Tout à fait, exactement. Et sur le coup, vu que c'est de l'oignon, on peut les mélanger. C'est la même cuisson. Ah ouais, voilà. D'accord. Alors comment tu vas les traiter, justement, les oignons? Attends, ça bouge pas. Bah, on va juste les faire poêler. D'accord. Tout simplement. Alors, je me déplace parce que là, ça commence à sentir sacrément bon le jambon, qui n'est pas coloré, hein, qui est juste cuit. Tout à fait. Donc là, on va rajouter le fond avec. Voilà. On voit que la casserole était chaude. Exactement. En fait, donc, si tu veux, on a un fond de veau. Exactement. Qui va être parfumé avec le jambon d'Auvergne. Avec les dés de jambon d'Auvergne. Exactement, voilà. D'accord. Donc là, tout simplement, on a fini, on peut mettre de côté. Ça, c'est fait. Ça, c'est fini. C'est ah, génial. C'est fait. D'accord. Voilà. Avec toute l'épaisseur. On Exactement. Revient à nos petits légumes. Là, on revient à nos légumes. Donc, on va mettre une petite purée de potimarron en cuisson. D'accord. Voilà. Alors, ça, je vais peut-être monter le feu quand même. Hein, exactement. Parce qu'autrement, on est encore là demain. Hein, c'est long quand même. Hein, est-ce qu'il faut les mettre à l'eau froide ou à l'eau chaude? À l'eau froide. Moi, je commence à l'eau froide. Hein. Et on est obligé de les éplucher, les potimarrons? Alors, on peut garder la peau? On peut garder la peau. Elle est super épaisse, la peau. Mais non, c'est pas du potiron. Moi, on m'avait dit qu'on pouvait cuisiner. Tout à fait. Vous pouvez faire avec, plutôt pour la soupe. Moi, pour une petite purée, je préfère les éplucher. Mais c'est digeste. Oui, tout à fait. Bon. Voilà. Non, mais ça, c'est parce que j'avais dit une fois qu'on pouvait ne pas les éplucher. Et voilà, on vérifie. Exactement. On vérifie ce que je dis, tu comprends? Je suis marqué à la culotte. Hein. Je peux te dire, s'il y a un truc derrière, je suis rectifié aussi sec. Ça rigole pas, ça rigole pas. Qu'est-ce que c'est que ces beaux filets, là? Voilà, alors c'est des filets de volaille en AOC. Oh là là. Voilà. Donc,
Pourquoi est-ce qu'ils sont déjà comme pré-cuits? Alors, ils ont été cuits à sous vide. Je les ai cuits sous vide. Ah, tu les as cuits à basse température? Tout à fait, oui. Ouais, ouais. D'accord. Parce que chez moi, au restaurant, je fais toutes les viandes et les poissons en basse température. Donc, bon, voilà, je préfère faire comme ça. C'est beaucoup plus moelleux. Ah. Tout à fait. On va garder la peau, elle va devenir très croustillante. Chez soi, comment on peut faire? Alors, chez soi, sur le coup, c'est un peu compliqué. Si on a quelque chose comme une couscoussière ou chose comme ça, on pourrait un peu peut-être les fumer pour que ça rentre. Oui, ou à la vapeur, mais douce quoi. Très douce, parce que le problème de la vapeur, c'est pas aussi bien, dès que ça boue, voilà, tout à fait. D'accord. Exactement, c'est pour ça qu'il faut venir. Parce que la poche sous vide les garde extrêmement moelleux. Voilà, tout à fait. On va retourner à la cuisine. Je suis toujours avec Dorian. C'est une prononciation un peu légale, Dorian. Dorian Van Broncoste. Alors, je rappelle qu'il est chef ici à Issoire. Je rappelle qu'il nous fait des filets de volaille rôtis avec des petits légumes de saison. On peut rappeler ce que c'est le légume de saison, c'est les raves en fait, hein, les raves et les courges. Voilà, tout à fait. Là, on a du butternut, donc ce qu'on appelle ici la noix de beurre. Alors, tu sais qu'on dit doux beurre aussi? Oui, tout doux à fait. Doux beurre ou butternut. Parce que butternut, ça vient d'Afrique du Sud, hein, d'origine. Ah oui, voilà, c'est sud-africain, butternut, d'accord. Butternut, voilà. D'accord. Oui, voilà. Butternut, la noix de beurre. Exactement. Ouais. Donc, le céleri, les carottes. Céleri rave qui vient d'ici, en revanche. Qui vient d'à côté. Qui veut dire céleri. Hein. Tout à fait. Voilà. Voilà. Et oignon rouge et oignon blanc. Hein, le potimarron, alors, puisqu'on y va, hein, sur les appellations, vient du fait qu'il a un goût un peu de châtaigne. C'est ça. Donc c'est un potiron un peu au goût de marron. Voilà. Petit marron. Ok. T'es sûr de toi ? Non, parce que j'entends parfois petit marron. Non, il est gros en plus. C'est un gros marron pour un petit marron. D'accord. Alors, on va s'occuper de nos filets de volaille. Regardez, ils sont là. Ils ont été pré-cuits. Alors, c'est quoi, c'est d'huile d'olive que c'est tu as mis dans la poêle? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, ils sont patients, dire... ces filets de volaille. Comment? Ils sont patients. Dorian, j'ai envie de dire, lâche-toi, garçon. Alors, la chef, sur le côté peau? Côté peau, oui. Est-ce qu'on peut augmenter un peu? Hein? Bah t'as raison, oui, c'est-à-dire qu'on sent que l'huile est chaude. Faut augmenter. On peut augmenter, surtout si on allume la plaque. Allez. Ça va être mieux, ça va être beaucoup mieux. Voilà à quelle température? À fond. Très vif. S'il vous plaît. Oui, voilà. Pourquoi? Pour que la peau soit bien retenue et qu'on ait une belle coloration sur la peau qui soit un peu craquante. Attention, éloignez-vous parce que... Hein. Voilà. Ça gicle un peu, attention. Attention, Vincent. Voilà. Hop. Là, on va passer donc la sauce, l'émulsion. Voilà. Tu te rappelles ce qu'il y a dedans? On a fait infuser donc les morceaux de jambon. Avec le lait et la crème. Lait et crème, tout d'accord. Et dans le même temps, on a cuit notre petit marron. Tout à fait. En cube dans l'eau bouillante salée. Exactement. Et puis on a fait une sauce à base de fond de veau et de tout petit dés de jambon que l'on a, une petite brunoise que l'on a mis dedans. Tout à fait. Brunoise, oui. Hein, c'est ce petit hachis. Exactement. Vas-y, Vincent. Damien, toi qui connais tes copains au pressing, voilà. Tu sais ce qui manque dans ta cuisine? Ah, ces animateurs télé, c'est plus que c'était. Tu sais ce qui manque dans ta cuisine? Il te manque un protège, tu sais, la petite grille pour empêcher de gicler dans ta cuisine. C'est ce que tu devrais mettre dans ta cuisine. Vous parlez en même temps, là, les filles. Donc, la petite grille, pour pas que ça gicle. Bah, c'est ce qui vous manque, les garçons. Oui, c'est une espèce de. Oui, une espèce de. Ne manque rien. Couvercle à trous. Ouais, voilà, ouais. Couvercle à trous. Dis donc, du coup, tu dois user beaucoup de papier absorbant chez toi, dans ta cuisine, toi. Eh ben, pas du tout. Chez moi, ça saute pas autant, tu vois. On a fait. Là, c'est notre purée de potimarron. Tout à fait. Exactement. Avec quoi tu l'as On l'a mixé légèrement un petit peu de crème. Un petit peu de crème. Voilà, tout à fait. Voilà. Pas trop, mais. Vous avez vu cette belle couleur? Voilà. C'est en fait la couleur du soleil auvergnat. Exactement. Hein, exactement. Voilà. Hein, dont on bénéficie ici depuis lundi, pour ce mois de novembre absolument hors norme. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Là, on a une crème. On a la petite crème au jambon d'Auvergne. D'accord. Ici, on a les volailles rôties. Okay, dis donc, quelle belle couleur. Voilà. Hein, on comprend pourquoi tu as voulu saisir, c'est cette fameuse réaction de Maillard. Exactement. Qui est chère à notre cœur. Ça faisait longtemps. Ouais, bah oui, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Là, on a fait la petite brunoise de petits légumes qu'on a fait sauter et juste assaisonner. Avec quoi? Juste avec un petit peu d'huile. Huile d'olive, là voilà, aussi. Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà. Okay. Et là, on a la sauce. Donc, on va bientôt pouvoir passer au dressage. Et bah, Dorian qui a terminé. Regardez si c'est joli cette assiette. C'est Regarde. Elle est belle, hein, ce filet d'art. De volaille rôti sur les petits légumes oubliés, légumes de saison. Et cette petite écume de jambon d'Auvergne. Tout à fait, oui. Ah, ouais. Ça fleure. Bon, vous voulez voir comment on l'a fait? Regardez, hein, c'est très rapide en quelque sorte. Et c'est un petit clip, voilà. Alors évidemment, il faut savoir émincer. Hein, là, la petite brunoise de jambon hein, qu'on va simplement colorer dans une sauteuse à sec ou dans une casserole. Hop, regardez nos petits oignons bien émincés aussi. Ça, on va faire des toutes petites brunoises de ces légumes hein, que l'on a fait cuire. On a fait également
cuire notre potimarron pour en faire une belle petite purée à la crème, simplement mixée à la crème. Donc on va avoir nos légumes sautés en toute petite brunoise, notre potimarron, on va dresser, alors ça aussi on va les poêler à vif côté à vif, peau, oui. Pour que ça soit bien doré, bien marqué, bien grillé. Et ensuite on va monter comme une petite pièce montée. D'ailleurs il y a Nathalie Simon qui en profite pour démarrer. Pendant ce temps-là tu t'es dit que t'en aurais pas assez hein, si je commençais à goûter avant la fin. Je goûte pour tester. Tu as raison de goûter Nathalie, ah vas-y. Alors on t'écoute. Mmh. Oui, je me doutais que tu dirais pas grand chose d'autre vu que tu as la bouche pleine avec et que tu es bien élevé. Absolument. Mais il y a également des fougasses et des quiches. Hein, et ça, c'est le travail de Christophe Gignac, qui est boulanger. Absolument. Ici. Donc merci beaucoup. Ça accompagne merveilleusement ce jambon. Et on a deux pièces de viande incroyables. Ça. Alors dis-moi. Et, vous imaginez ça, c'est une entrecôte. C'est mon goûter. Voilà. Ça va être formidable. Entrecôte charolaise. De Gilbert et Jérôme Vidal, des bouchées d'exception. Ben oui, non, les mais bouchées vous imaginez, qui sont juste l'entrecôte, elle est juste sublime. Ben parce que toi, tu as le nord de l'Auvergne, hein, voilà. C'est l'Allier, et moi, j'ai la Salers, c'est le Cantal. On est exactement le entre sud. Les deux. Il me reste à vous souhaiter et bon entre appétit. Les deux, la charcuterie. Du Mans au midi, en France. Les amis, bon déjeuner, on se retrouve demain, place de la République, toujours en forme sous le soleil d'Auvergne.